Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur le let's play de Kuzco l'Empereur Mégalo sur PlayStation 1. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, eh bien on avait commencé le jeu, on avait fait les trois premiers chapitres du village, d'ailleurs j'avais même fini les trois niveaux à 100% en ayant récupéré le roudoudou et les pièces qu'on devait récupérer. Et comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, si on ramasse le roudoudou et toutes les pièces, on peut accéder à la galerie et voir une petite image, une petite artwork, voilà, du jeu. Voilà, ce qui peut être assez sympa. Donc là, je vous montre ça rapidement, voilà, pour les trois chapitres, hein, vu que j'ai récupéré ça rapidement. Voilà, donc là, c'est le personnage de Typo. Alors je pense qu'en début de chaque épisode je ferai ça, c'est-à-dire que si jamais j'ai récupéré tout à 100% dans un niveau, je vous montrerai la galerie dès le début d'épisode. Voilà, et là on peut voir Kronk. D'ailleurs je vois que je vais peut-être dézoomer un tout petit poil la caméra, voilà, comme ceci. Et on est parti donc pour le dernier chapitre du village, le village chapitre 4, c'est parti. Et je vois que ma manette est tout aussi dégueulasse, mais bon. Voilà, et souvent, à la fin de chaque monde, on peut dire ça comme ça, on va rencontrer Yzma, qui va faire office un peu de boss, hein, tout simplement. Hop, il y a un trou ici. Et qui dit trou, dit secret. Allez, faut que je nique tous les lapinous. Alors, ok, impeccable. Ok, parfait. Déjà un petit secret de fée, c'est sympa. Si tu veux sortir du village, il faut que tu essaies de suivre mon papa. C'est bon, jeune ami, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Reste près de lui, mais surtout qu'il ne te voit pas. Sinon, tu te retrouveras dans l'enclos le plus proche. T'inquiète, jeune ami. Quand je veux, je sais me rendre invisible. Voilà, donc là, ça va être une petite épreuve d'infiltration. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit d'attendre auprès de ma hutte. Cause toujours. Je suis l'empereur. Je vais où ça me chante. J'insiste. Restez ici au village. La jungle est bien trop dangereuse. Il y a des scorpions, des jaguars et des araignées. Voilà à peu près à quoi il faut s'attendre de la part d'un gros paysan joufflu comme toi. Attendez ici. Si vous essayez de me suivre, ça va mal aller. Cause toujours, gros plein de sous. Voilà, donc là, c'est vraiment de l'infiltration. Donc là, je dois rester loin de Pacha et ne pas me faire voir. Bon, là, je peux rester dans l'enclos. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, surtout, il ne faut pas non plus que je le perde de vue. Hein. Si jamais je le perds de vue... Enfin, si jamais je suis trop loin de lui, ça ne va pas aller non plus. Donc, il faut que je fasse aussi attention à ça. Non, tu me vois pas pour le moment. Je suis loin de toi. Voilà, je te vois toujours, mais je suis loin. Bon, l'insecte, tu dégages. Non, tu me vois pas. Je suis derrière la maison. Donc, tu n'as pas à me voir. De toute façon, il fait toujours un petit bruit avant de se retourner, voilà. Je suis pas là. Je suis caché. Toi, tu dégages. Et tu. Où est-ce qu'il y a les pièces? Là-bas. Ok, on peut avancer un petit peu. Voilà, le prochain enclos est juste là-bas. Donc, si jamais je me fais prendre après l'enclos, je me retrouverai, juste ici. Pas de pièces là. Par contre, il y a une pièce juste là, on va la prendre. Rien derrière. Non, rien derrière. Donc on peut avancer tranquillement. Non. J'y suis pas là. Non, je suis pas là. Tu avance. Avance. Je sais pas si elle va se retourner là. Ouais, si.
J'avais un léger doute et puis... Ouais, j'ai bien fait d'attendre là. Hein. Voilà, là maintenant, je peux y aller. D'accord, j'ai raté l'insecte. Oh mais viens là, voilà. Non mais... Ok, il y a encore un insecte là-bas. Voilà, on va le laisser avancer un peu. Bon, j'espère pas avoir raté de pièce, je ne pense pas. Alors, on va continuer à avancer. Ok, très bien. Allez, ramasse-moi tout ça, là. Voilà, impeccable. Par contre, on va quand même le suivre. On va pas le perdre de vue non plus. Ok, on attend ici. Et on y va. Voilà, la porte, voilà, la porte de sa hutte, voilà, est juste ici. Donc, il va s'arrêter là. Voilà. Et maintenant, je peux y aller tranquillement. Parfait. Nickel. Voilà, une phase d'infiltration qui n'est pas très compliquée. Oh là, on a un nouveau secret. Dégage toi. Et normalement, on est bon niveau sous-sous, puisqu'on a bien les 55 pièces. Voilà, nickel. Et on a le roudoudou juste ici. Impeccable. À chaque fois, j'ai peur de dire rondoudou, c'est dingue. Alors que non, c'est pas rondoudou, c'est roudoudou. Hein, faut faire attention. C'est comme les bonbons, les roudoudous. Oui, alors là, vous l'avez peut-être remarqué, mais là, vous voyez, j'ai perdu les 3 roudoudous que j'avais récupérés dans l'épisode précédent. Ça, je trouve que c'est un peu mal fichu. C'est que si jamais on quitte le jeu et on recommence... Non, je ne quitte pas. Si on quitte le jeu et qu'on recommence, bah on perd les vies qu'on avait récupérées au fil du jeu, donc c'est un peu naze. Mais bon. Donc là, c'est parti donc pour la phase de boss avec Yzma qui nous attend juste ici. Alors le but pour moi c'est de faire en sorte qu'elle balance ses fioles sur les 4 boutons qui se trouvent ici et là. Voilà, ce qui n'est pas compliqué du tout. Tu prétends avoir toujours le dernier mot, Yzma. Yzma, mais tu es nul. A plus. Mais encore désolé pour les soucis de dialogue, il y a des petits soucis. Mais bon, voilà, vous voyez, un niveau qui est pas du tout compliqué. Et un boss, vous voyez, que j'ai tué très vite. Et bien voilà, donc maintenant on peut le dire, mais un monde du village terminé. Et on passe tout de suite au monde 2, la jungle de nuit. C'est parti. Donc les cinématiques, je les passe, hein, comme d'habitude, hein, puisque ça... C'est extrait du vrai Disney, j'ai peur d'avoir des droits d'auteur dessus, donc je préfère passer ça. Allez, jungle de nuit, chapitre 1, 35 pièces à récupérer. Et là, on est dans une toute autre ambiance. Au secours! Au secours! Qui est là? Je ne vois rien! Il fait si noir! Sauve-toi! Ah! Quelle douleur! Je peux te comprendre, mon cher Cusco, je peux te comprendre. Allez, on casse ça. Voilà, il y a des petits trucs à récupérer. Alors là, ici, on a... Quoi? On a ça. Oh là, attention à l'araignée. Allez, descend. Voilà, on roule. Et on fait une roulade. Voilà, impeccable. Alors là, ici, on a un bouton qui ouvre la porte du fond. Le problème, c'est qu'il faut un truc pour le... Pour rester appuyé sur le bouton. C'est de la bombe, bébé. Yeah, c'est de la bombe, bébé. Alors ici, on a quoi? On a des petits trucs à récupérer par-ci, par-là. Alors là, je vous dis franchement, à partir de ce niveau 2, de ce monde 2, pardon, je vais commencer, ça va commencer, pardon, à être labyrinthique. Putain, je ne sais plus parler, c'est génial. Oui, donc ça commence à devenir labyrinthique et je risque de ne pas vraiment trouver toutes les pièces du niveau, hein, donc m'en veuillez pas pour ça. De toute façon, j'avais dit que je ne ferais pas le jeu à 100%, hein, donc
Pas de soucis de ce côté-là. Voilà, donc là on ramasse la pierre qui sera placée sur le bouton. Le bouton. Alors ici on a quoi? Alors là on a un petit écureuil. Aïe, il m'a balancé un gland ce con. Non mais... Oui. Il est mignon. J'arrive. Aïe. Alors là on a un arbre. Voilà, à faire sauter, voilà, comme dans le niveau du village, hein, c'est la même chose. Donc là le but c'est de suivre hein, ce fameux écureuil là. Alors là ici on a un rocher, on va le prendre. Il n'y a rien du tout, non. Alors on avance. Et arrête de me balancer tes glands, toi. Ah, donc là, il est parti en dessous de la porte. Donc moi, voilà, je vais remettre la tête de la statue à sa place. Ce qui permet d'ouvrir la porte. Rien de l'autre côté. Non. Alors, on y va. On y va. Alors là, on a quoi? Un checkpoint. Alors là, vous voyez maintenant que l'écureuil a un ballon sur lui. Et ça, c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer la suite. Pour que vous puissiez bien voir. Voilà, car ici en fait on a une nacelle. Mais le problème c'est que la nacelle a besoin de ballons pour s'envoler. Et là il y a déjà un ballon en place, il me reste trois ballons à accrocher. Et c'est l'écureuil qui a les trois ballons. Mais viens ici. Voilà, c'est bon. J'ai le ballon. Donc maintenant j'ai plus qu'à ramener le ballon jusqu'au bout sans le faire éclater sur les épines. Allez, deuxième ballon. Où est-ce que t'es? Tu es là. Là, là. Alors, faut faire attention aussi, car l'écureuil peut vous rechipper le ballon. Voilà, la preuve. C'est un petit coquin, cet écureuil. Mais... Non, mais je voulais le montrer une fois, pas deux. Hein. Non, mais... Oh. Mais t'as fini. Mais t'as fini. Donne-moi ça. J'ai pas envie de faire du jeu avec toi pendant des heures non plus, hein. Voilà. Et le troisième ballon. Allez, donne-moi le troisième ballon. Voilà. Petit ballon. Oula, ça ne va pas tomber non plus, hein, ce serait de comble. Voilà, impeccable. Et maintenant, on peut y aller. Lui, t'es mignon. Point de contrôle. Et là, évidemment, je ne peux plus revenir en arrière. Hein. Logique. Salut. Belle journée. Sache-le. D'une minute à l'autre, une énorme araignée va venir te dévorer. Être dévoré par une araignée, la chance de ma vie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Être pris dans une toile, ce n'est pas assez bien pour toi? Alors, c'était quoi ce que tu avais à me dire? Donc voilà, donc ce fameux garde ici a un casque rouge, et donc comme a dit l'insecte, voilà, il a une idole rouge sur lui. Idole rouge qui va me permettre d'ouvrir la porte idole rouge. Voilà, ce qui n'est pas très compliqué en soi. Et d'ailleurs, on vient de finir le chapitre alors que j'ai raté le secret, c'est génial. Et j'ai raté le roux-doudou aussi, tant qu'on y est. Mais je l'avais dit, hein, façon que je ne ferai pas jouer à 100%, hein, je l'avais dit. Allez, c'est parti pour la jungle de nuit, chapitre 2, c'est parti. 70 pièces à récupérer. Oula, caméra. Merci. Et arrête de me balancer tes glands, toi.
Alors là-bas, on a une araignée. Allez, descends, ta toile. Mais t'es dégueulasse. Bon, heureusement, il y avait un... de la vie dans le pot. Allez, avance. Non, mais... ça bête. Alors là, ici, pour ouvrir cette porte, vous voyez, de chaque côté de la porte, il me faut deux idoles rouges pour l'ouvrir. T'as, je t'ai pas vu arriver, toi. C'est de la bombe, bébé. Je t'ai pas vu arriver, mon gars. Alors, on va passer de quel côté? On va passer ici. Hop. Alors là, on a un pot éclaté. Avec encore de la vie, ça fait toujours plaisir. Ok, on va passer par là. Ok, là, on a une porte fermée. Et on continue à avancer. Ça va, l'araignée? Allez. Ils sont moches, en plus, ces araignées. Alors ici, on a un point de contrôle. Toujours utile. Alors ici, on a quoi? On a des sous-sous de chaque côté. Hop là. Là, on a un garde ici. Garde qui contient toujours 5 pièces, hein, comme d'habitude. Voilà. Impeccable. Oula. Un peu trop court. Oh, sérieux. J'étais trop court. C'est pas grave, on y repart de suite. Voilà, impeccable. Alors ici, retour de la nacelle. Sauf que là, les 4 ballons sont déjà en place. Non, il manque un ballon, peut-être. Non, il manque un ballon, je crois. Attendez, il manque un ballon, là. Il manque un ballon. Et le ballon, voilà, il est juste ici, nickel. Alors pour ce ballon... alors là, on a de la vie, mais bon, vie, j'en ai pas tellement besoin pour le moment. Donc là, on y sonne des grains de raisin. Alors, le but. Ici, vous avez un poisson dans l'eau. Le but, c'est faire en sorte que le poisson crache de l'eau sur le ballon pour pouvoir, pour qu'il avance le ballon. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas suffisant, hein, je peux pas encore récupérer le ballon. Donc si petit poisson tu peux remonter. Et j'ai le téléphone qui sonne comme d'habitude. Putain mais j'y crois pas. Non mais maintenant je crois que dans chaque vidéo je vais avoir le téléphone qui sonne, c'est dingue. Ah. Attendez, j'arrive tout de suite. Ok, on reprend, excusez-moi. C'était comme d'habitude des pubs, hein, comme d'habitude. Ah non, mais c'est toujours quand je fais une vidéo que le téléphone sonne, hein. C'est pas possible ça. Je dois être maudit, c'est pas possible. Je dois être maudit. C'est toujours quand je fais une vidéo que le téléphone sonne, hein, évidemment. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Alors, ici, on a la pierre, on va la mettre dessus. Sur le bouton. Et ça va faire quelque chose. Voilà, ça va ouvrir la porte qui se trouve juste ici. Voilà, impeccable. Alors là, normalement, je peux redescendre là. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Impeccable. Hop. Ok, très bien. Allez, là, ce que j'aimerais au moins, c'est finir ce monde-là avant de couper. Ce serait bien. En plus, le chapitre 3, il n'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est pas qu'il est compliqué, mais il est plutôt court. Alors ici, le point de contrôle, impeccable. Alors là, évitez de tomber dans l'eau, hein. Voilà, l'araignée là, elle va nous servir de plateforme, ça c'est sympa. Allez, petite plateforme. Ok, très bien. Alors là, on a une autre araignée.
Allez, viens ici. Non mais... sale bête. Ok, très bien. Alors, ici. Hop là. Heureusement que j'ai des grains de raisin en réserve. Hein. Voilà, impeccable. Hop là, très bien. Non, là, celle-là va tomber. Elle tombe. Voilà. Hop. Ok, 35. Ça augmente encore la jauge de turbo. Petit checkpoint, ça fait toujours plaisir. Par contre, je crois que derrière, il n'y avait rien. Hein. Je voulais être sûr. Ok, on passe le 40. Pam, 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 pam. Alors ici, on peut tomber, mais bon, on va quand même éviter. Hop. Voilà, la première idole rouge. Je n'ai plus qu'à trouver la seconde. Ah bah tiens, un petit turbo, ça va faire plaisir. Hop là. On me laisse passer. Allez, prends ce qu'il y avait à prendre. Voilà. Alors là, en bas, on a une araignée qui est pas belle du tout. Et qui est encore m'a niqué. Putain, mais j'y crois pas. Et qui m'a encore niqué, plutôt. Putain, mais sérieux, je ne sais pas parler dans cet épisode, c'est dingue. Oh oui, je saute, je caméra. Non. Je l'ai vu arriver celle-là. Ok, très bien. Allez, vas-y, place-moi la pierre sur le bouton. Voilà, ce qui me permet de sortir. Alors ici. Donc, normalement, j'ai plus qu'à faire demi-tour. Alors, où est-ce qu'elle était cette porte à idole rouge là? Je crois que je suis revenu au début en plus. Ouais, je suis revenu au début. Ce n'est point grave. Ouais, voilà, l'idole rouge est juste là. Alors par contre ici, je crois que je n'y suis pas allé. Hein. Non, c'est ça. Alors déjà, toi, tu me gonfles pas, s'il te plaît, merci. Et là, donc vous voyez, on a une espèce de statue. Le but, c'est de reconstituer la statue. Donc là, ici, on a la tête de la statue. Et on va passer cette porte, voilà. Et là, on a ici la fameuse statue au complet. Toi, tu dégages. Voilà, impeccable. Voilà, et là, en dessous, on a la couronne de la statue. Et le but, bah, c'est de la reconstituer, tout simplement. Chose qui n'est pas très compliquée en soi. Putain, je t'ai pas vu, toi, l'autre. Vas-y, prends ça. On va la placer dessus. Hop là. Ensuite, on va placer la tête. La tête. Voilà. Et il n'y a plus qu'à placer la couronne. Voilà, impeccable. Voilà, ce qui a vidé l'eau ici. Et voilà, ici, ça l'a rempli. Rien d'autre ici. Alors, on s'en va. Donc ici, maintenant que l'eau était complètement vidée, le but pour moi, ça va être de prendre ceci, de bien le placer, et normalement je peux monter dessus pour atteindre la plateforme suivante, voilà. Voilà, et là on retrouve à nouveau le gamin. Voilà, et là il vient un peu de vous aider. Donc là, il dit, ce n'est pas un malheureux caillou qui va casser mon vélo. Donc là, vous voyez, je prends un caillou ici. Et le truc, c'est que là, vous voyez, ici, il y a un deuxième caillou. Et le but pour moi, c'est d'empiler deux cailloux pour pas que le gamin puisse faire un tour de plus. Voilà, et normalement, comme ceci, son vélo devrait pas tenir. Voilà. Tu as encore cassé mon vélo. Attends un peu la prochaine fois. Je ne suis qu'un vilain lama. Mais pas gentil. Ok, 2-2, impeccable. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir prendre la porte qui se trouve ici. Voilà, on va pouvoir repartir tranquillement. Et on va aller pouvoir ouvrir cette fameuse porte à deux idoles rouges. Allez, on sprint un petit peu.
Et voilà la porte qui se trouve juste là, parfait. Impeccable. Parfait. Un petit peu chiant, toi. Aïe. Saleté. Dégage. Non, mais... pas de chez nous. Bon, qu'est-ce que tu me veux, toi? Et voilà la fin du chapitre. Impeccable. Bon, j'ai eu toutes les pièces, mais par contre, j'ai raté le roudoudou. Je ne savais plus trop où est-ce qu'il était. Cinématique, on passe. Et on passe tout de suite donc à la jungle de nuit, chapitre 3. Où là, on va jouer à la bourrin, vous allez voir. Voilà, si on faisait une pause, la situation est critique. Bien, sors-moi de là en tapant sur les touches à toute vitesse et en me faisant contourner les obstacles. Je n'ai pas déjà joué à ça dans les années 80. Si, parce que là, le but pour moi, ça va être de marteler à fond le bouton carré pour courir très vite et aller de gauche à droite pour éviter les obstacles, justement. D'accord, sauf si le bouton ne marche pas, évidemment. Alors, c'est peut-être haut et bas, alors. Oui, c'est ça, c'est haut et bas, en fait. Et pas gauche et droite. Alors, les pièces, je vais complètement abandonner hein, pour ce niveau, je vous le dis. En plus, on est déjà à fond. Et évidemment, il y a aussi le bouton croix pour sauter, hein. Qui va être complètement compliqué, moi je vous le dis. Allez, martèle-moi ce putain de bout dedans. Je crains d'avoir la tendinite à la fin de la vidéo. Moi je vous le dis. Putain, ça fait mal aux doigts en plus, hein. Ah putain, je faiblis. Je faiblis. Ok, j'ai chopé le roudoudou. Alors normalement le niveau n'est pas très long non plus hein, mais... oh putain, les blocs qui me rattrapent déjà. Putain, pourtant je suis à fond sur le bouton. Oh putain, c'est bon, on est à la fin. On est à la fin. Oh, oh putain. Je n'ai plus de main. Ah, je vous jure, j'en peux plus. Oh. Oui, 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 oui. Ouh. Oh putain, j'ai plus de main, je vous jure. Je vous jure, je n'ai plus de main. J'ai plus de main, ça fait mal. Ok. Bon bah écoutez, je vois qu'on est presque à 30 minutes, donc on va s'arrêter là. En plus, ça tombe bien, on a fini le monde de la jungle de nuit. Ce qui est parfait. Allez, on s'arrête là. Donc c'était Top Top donc, pour cette deuxième partie sur Let's Play de Cusco l'Empereur Mégalo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, ben, dans le prochain épisode, on attaquera le monde 3 avec le niveau de la rivière. Et en attendant, ben, moi je vous dis... à la prochaine tout le monde !